Comme la Russie, la Turquie ne voit pas de bon œil l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN et envisage de la bloquer. Le président turc Recep Tayyip Erdogan explique qu'il ne veut pas voir se répéter la même erreur que celle commise lors de l'adhésion de la Grèce. Monsieur Erdogan a reproché à Stockholm et Helsinki de servir d'auberge aux terroristes du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, classé comme organisation terroriste par la Turquie, mais aussi l'Union européenne et les États-Unis. Cette sortie risque de mettre en doute le processus d'intégration appuyé pourtant par les alliés de l'OTAN et par le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Pour être été intégré à l'OTAN, un pays doit bénéficier du soutien de tous les membres de l'Alliance. La Suède et la Finlande entendent discuter de la situation avec la Turquie à Berlin bientôt. La Finlande reste tout de même confiante quant au soutien turc. Le Kremlin était monté au créneau pour déplorer la demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN en dénonçant une décision qui assurément constituerait une menace contre la Russie et aurait des conséquences pour l'architecture sécuritaire européenne dans son ensemble. Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom IT News.